devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Tu fléchis tes genoux et tu commences par lui rendre tout ce que tu lui as volé. Je ne veux pas beaucoup me déranger. Tu comprends bien? Toi, esprit présent dans ce corps. Toi, esprit présent dans ce corps. Je ne veux pas beaucoup me déranger. Je ne veux pas beaucoup me déranger. Tu vas dire tout ce que tu lui as volé. Il dévore. Il déchire. Avec ses griffons, il déchire ses ennemis. Il déchire ses ennemis. C'est lui qui te déchire le ventre en ce moment. C'est lui qui déchire ton ventre maintenant. C'est lui qui te déchire ton ventre en ce moment. C'est lui qui te déchire en ce moment. C'est lui qui te déchire. 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 Tu dis tout ce que tu es. Tu parles audiblement. Et tu me donnes ton identité. Parce que tu es devant le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Tu vas beaucoup souffrir. Parce que tu as fait souffrir cette fille. Aujourd'hui, c'est toi qui vas souffrir. Aujourd'hui même, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas souffrir atrocement. J'augmente la souffrance. 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 Tu sens des tortures. Parce que c'est des abeilles qui t'envahissent. Et tu sens des piqûres. Parce que c'est des aiguilles. C'est des aiguilles qui te rongent. C'est des aiguilles qui te rongent. C'est des aiguilles qui te rongent. Ça te ronge même. Ça te ronge. Ça te pique. Oui, ça te pique. Ça te ronge. Ça te torture. Ça te torture. Et tout ce que tu as volé dans sa vie. Tout ce que tu as volé dans sa vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu es qui on va te servir? Toi, tu es qui et on va te servir? Toi, tu es qui et on va te servir? Est-ce que tu es Dieu? Toi, tu es qui on va te servir? Elle t'appartient quand? C'est toi qui l'as créé? C'est ma femme. C'est toi qui l'as créé? Tu vas crier toi-même que tu n'es pas sa femme. C'est ma femme. Pourquoi il m'a refusé? C'est ma femme. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Tu as payé la dot quand? Qui est témoin de la dot que tu as payé? Qui est témoin de la dot que tu lui as payé? C'est ma femme. C'est parent. C'est parent. C'est parent. C'est parent. C'est parent. Est-ce que son Dieu est témoin? Est-ce que son Dieu est témoin? Est-ce que son Dieu est témoin? Est-ce que son Dieu est témoin de la dot? Est-ce que son Dieu est témoin? Est-ce que Jésus est témoin de la dot que tu as payée? Jésus n'est pas là quand on fait de la dot. Il n'était pas là. Et toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? J'augmente ta souffrance maintenant. J'augmente ta souffrance. Au fur et à mesure que tu parles, j'augmente ta souffrance. Ta torture. C'est la main de l'Éternel qui est en train de te torturer. C'est la main du lion de la tribu de Juda. Ça te déchire. Ça te déchire le ventre. Et tu souffres. Tu souffres. Ça te déchire le ventre. Ça te déchire le ventre. Trouvez-moi un paille pour la couvrir. Ça te déchire le ventre. Ça te déchire le ventre. Ça te torture. Ça te torture. Ça te torture. Ça te torture.
Toi, toi, tu t'appelles comment? Tu parles audiblement. Toi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Tout le monde a un nom. Toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Faut pas que je crie, hein. Toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? J'augmente la tortue maintenant. Tu souffres encore. Tu souffres encore. La main de Jésus te fait encore souffrir. Ça te torture le ventre. Ça te torture le ventre. Ça te torture le corps. Ça te torture le corps. Ça te torture le corps. Tu vas vomir tous les déchets, les maladies que tu as mis dans son corps là. Tu vas les vomir un à un. Elle boit le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pour sa poitrine. Dans sa trompe. Dans son bas-ventre. Dans son utérus. Le sang de Jésus circule maintenant. Le sang de Jésus circule maintenant. C'est de l'acide. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Ça te fait souffrir. Ça te fait souffrir. Le sang de Jésus, c'est de l'acide dans le corps des sorciers. C'est de l'acide dans le corps des démons. C'est de l'acide dans le corps des serpents. Le sang de Jésus, c'est de l'acide. Je veux parler. Voilà. Voilà. Toi, tu es qui? Je suis beaucoup. Vous êtes beaucoup. J'envoie l'armée céleste maintenant. Je commande à l'armée céleste de descendre. Je commande à l'armée céleste de descendre et de monter la garde en ce lieu. Voilà, vous êtes beaucoup. Comment vous êtes rentré dans son corps? Comment vous êtes rentré dans son corps? Comment vous êtes rentré dans son corps? Quand il était petit, quand il était petit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui, chez sa grand-mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle faisait tout pour la grand-mère. Elle faisait tout pour sa grand-mère. Et alors? On a fait qu'elle allait être brillante. À l'école, elle était brillante à l'école. On et alors? On ne voulait pas qu'elle soit quelque chose dans sa vie. Mm-hmm. Vous ne voulez pas qu'elle soit quelque chose dans sa vie. Et alors? Et alors? Vous voulez la tuer pour la manger. Oui, c'est là, on est rentré. On lui donnait manger, Vous lui avez donné de nourriture à manger. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez envoûté, non? Et hein? Vomissez votre nourriture. Vomis votre nourriture. Vomis vite! Le sang de Jésus-Christ dans son corps. Dans son ventre. C'est quoi ça? Vomis tout! Vomis tout, remonte-les. Le sang de Jésus dans son corps, dans ses entrailles. Le sang de Jésus-Christ, c'est de l'acide. Ça te fait souffrir. Oui, ça doit brûler. Le sang de Jésus, ça te fait souffrir. Le sang de Jésus-Christ, c'est de l'acide. Ça te ronge. Vomis tout. C'est pas ça, hein? Vomis tout. Les envoûtements, les nourritures envoûtées que vous lui avez données. Vomis tout. Vomis-les. Vomis tout. Vomis tout. C'est pas ça, hein. Tu ne vomis pas encore. Ça te pique. Ça te ronge. Ça te fait souffrir. Tu souffres encore. Le sang de Jésus circule dans tes veines. Ça circule. Ça te ronge. C'est de l'acide. Hein? C'est de l'acide. Ça te fait souffrir. Le sang de Jésus, c'est de l'acide. Ça augmente la torture. Ça augmente la souffrance. Le sang de Jésus augmente la souffrance. Tu vomis tout ce que vous avez mis en elle. Les myomes, les maladies, tout ce que vous avez mis en elle pour l'empêcher de concevoir. Aïe, vomissez tout. Oh. Vomis tout.
Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Aujourd'hui, là, chaque mot qui sort de ma bouche, c'est une épée. C'est du feu. Vomi. Yahou. Vomi, 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 vomi. Vomi. Ça te ronge le ventre. Ton ventre est rongé. Ton ventre est rongé. Ton ventre est rongé. Le sang de Jésus, c'est de l'acide. Le sang de Jésus-Christ, c'est de l'acide. C'est de l'acide. C'est de l'acide. Ça te ronge. Ça te pique. Ça te fait mal. Ça te torture. 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 Où vous avez mis son âme? Où vous avez mis son âme? Où tu as mis son âme? Son âme se trouve où? Il faut parler vite, je ne veux pas beaucoup parler. On répond vite aux questions. Tu as mis son âme où? C'est dans la mer. Dans la mer, d'accord. Je te donne 3 secondes pour aller chercher son âme. Je te donne 3 secondes pour aller chercher son âme. Je te donne 3 secondes pour aller chercher son âme. Tu as 3 secondes pour aller chercher son âme. Sinon, j'augmente la souffrance. 1. Tu cours pour aller chercher son âme dans la mer. Tu exécutes vite. Tu exécutes vite. Tu exécutes vite. Sinon, je vais te faire très mal. Et va me chercher son âme. Va me chercher son âme. Hey! Et va me chercher son âme. Va me chercher son âme. Va me chercher son âme. Tu vas souffrir encore plus fort. Si tu résistes à mes ordonnances, tu vas souffrir encore plus fort. Si tu résistes à mes commandements, tu vas encore souffrir plus fort. Et là, va me chercher son âme. 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 Et aïe, 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 aïe. Shalom, shalom. Va me chercher son âme. Va me chercher son âme. Ya 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 ya. Va me chercher son âme. 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 Va me chercher vite. Quand tu veux voyager, c'est comme ça que tu marches. Va me chercher son âme vite. Va me chercher son âme. Va me chercher son âme vite. Va me chercher son âme. Va me chercher son âme. Aïe 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 aïe. Close, close. Yeah, 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 yeah. C'est son âme, ça. C'est son âme, ça. Tu es sûr que c'est son âme? Ne joue pas avec moi. Je t'ai dit de me déterrer son âme. Son âme, c'est un caillou. Déterre-moi son âme. Aïe 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 aïe. Vite hein. C'est profond. Et tu me donnais un faux. Tu me donnais un caillou à la place de son âme. Je te jure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détends-moi son âme. Détends vite. Creuse. Creuse, creuse, creuse.
Crasse-les, hein. Les gens n'ont pas compris que sans Jésus, il n'y a pas de sécurité. Sans Jésus, vous n'êtes pas en sécurité. Voyez, depuis plus de 5 ans, il s'est marié, il n'a pas d'enfant. Parce que l'œuvre de la sorcellerie a rongé son âme. Chaque fois qu'elle tombe enceinte, c'est fausse couche. Plus de 3 fois déjà. Parce que sa vie n'est pas bâtie sur le rocher des âges. Sa vie n'est pas bâtie sur Jésus, sur la sainte doctrine. Ya, vite. Détends-moi son âme. Dépose dans son enveloppe corporelle. Dépose dans son corps. Dépose. Je serre son âme dans le sang de Jésus de Nazareth. Et je le fais couvrir par le feu de Dieu. Je fais couvrir son âme par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Je te dis, garde à toi si tu t'approches fort. Il s'en va de son âme. Je vais te faire très mal. Tu m'as bien compris? Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Où tu as mis son âme? Où tu as mis son étoile? Son étoile au village. Voilà. Et on va me chercher son étoile. Tu cours vite. Tu cours vite. Pourquoi que je te fais mal? On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Ya. Yaou. Yaou. Ya. C'est dans quel village? Dans son village. Où? Va me chercher son étoile. Dans son village. Tu l'as enterré où? Dans son village. Dans la chambre de sa grand-mère. Va me chercher ça. Va me chercher ça. Regardez bien. Vite, hein. Vite, hein. Je le fais couvrir par le feu de Dora. Au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie pour ta présence. Tu m'as bien compris. Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Maintenant, où tu as mis son enfantement? Son enfantement est où? Hein? J'ai dit. Dans le bois. Vite! Chicote du Saint-Esprit. Je te chicote au nom de Jésus. Vite! Tu avais déposé son enfantement dans le bois. Est-ce que c'est dans le bois qu'elle va enfanter? Est-ce que c'est dans le bois qu'elle va enfanter? Vous ne voulez pas qu'elle enfante? Et à son moi ça, son enfantement. Vite! Que tu es en train de me donner. Voilà. Remets dans son ventre. Remets dans son ventre. Je cesse son enfantement. Dans le sang de Jésus. Sa fécondité. Dans le sang de Jésus. Sa trompe. Dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, elle doit enfanter au nom de Jésus-Christ. Jésus lui donne maintenant.
transite. Pas transite. Ton nom c'est qui? Satan. Hein?
Je suis sa tante. Tu es sa tante. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu as encore détruit dans ta vie? Qu'est-ce que tu as encore détruit dans sa vie? Rends-lui son mariage. Rends-lui son mariage. Regarde, le lien de paternité qui te lie avec à elle. Jésus m'a remis le lien de paternité. Et par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déchire le lien de paternité. Regarde, à partir d'aujourd'hui, le lien de famille qui vous lie, je déchire le lien de famille. Je déchire le lien de famille. Elle n'est plus de votre famille, tu m'as bien compris. Tu n'es plus sa tante. Elle n'est plus ta fille. Est-ce que tu m'as compris? Réponds, est-ce que tu m'as compris? Voilà, elle n'est plus de votre famille. Regarde. Le lien de sang qui vous lie, Jésus m'a remis, pas le nom de Jésus. Je te suis le lien de sang. Je revoque sa vie à partir de Jésus. Elle ne porte plus ton sang. Elle n'est plus de ton sang. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Qu'est-ce que tu as encore fait dans ta vie? Calebasse. Où est ta calebasse? Où est ta calebasse de sorcellerie? Hein? Quoi? C'est à quoi? Remets-moi ça! Remets-moi ça vite! Remets-moi la calebasse de sorcellerie! Remets-moi! Par le nom de Jésus, je t'arrache. Je casse maintenant ma vie. Je prends mon nom de Jésus. J'envoie le feu de grand souffle. Feu de grand souffle. Feu de grand souffle au nom de Jésus. Quels sont tes pouvoirs? Quels sont tes pouvoirs? Quels sont tes pouvoirs? Quels sont tes pouvoirs? Parle-moi, Fiton. Quels sont tes pouvoirs? Hein? Le pouvoir de détruire. Et tu utilises quoi pour détruire? Comment tu détruis? Comment tu détruis? Pour détruire, comment, qu'est-ce que tu utilises pour détruire? Tu parles vite, sinon je vais te t'arracher de ma croix. Comment tu fais pour détruire? Tu arraches les étoiles des gens. Tu arraches les étoiles des gens. Voilà. Et ton pouvoir là, c'est dans quoi? C'est dans quoi? C'est dans quel oiseau? C'est dans quel oiseau ou c'est dans quoi? C'est dans quoi? Et qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu utilises? L'ombre. Tu utilises quelle ombre? Tu travailles dans l'ombre. Voilà. C'est le signe de sorcellerie de Satan. L'esprit travaille dans l'ombre pour opérer. Maintenant, qu'est-ce que tu as encore détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as encore détruit dans sa vie? C'est toi qui l'empêche de travailler, non? C'est toi qui l'empêche de trouver du travail, non? Hein? Rends-lui son travail. Rends-lui son emploi, vite. Rends-lui son emploi. Tu as mis ça où? Dans le bois. Ya. Vite! Qui t'a dit que c'est loin? D'abord, tu dis que c'est loin?
Vite. Je pose sur son front. Par le nom de Jésus, je cède son emploi, son travail. Dans le sang de Jésus, je le fais couvrir par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu as encore volé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as encore volé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as encore volé dans ta vie? C'est toi qui empêches la paix dans ton foyer, non? C'est toi qui empêches la paix dans ton foyer, non? Hein? Et rends-lui sa paix. Rends-lui sa paix. Et c'est qui? C'est qui? Chiffre, tu sais, c'est qui? La belle-mère de son papa. La belle-mère de son papa. D'accord. Si toi, tu lui dis ça là, je suis sûr que si tu vas le voir pour dire que tu veux mourir de rendre la paix de la fille là, je suis sûr qu'elle va te donner. Sinon, tu vas mourir. Est-ce que tu m'as compris? Et va le chercher. Va lui dire de remettre la paix de Bénédicte. Hey! Est-ce que tu m'entends? Et là, coupe. Vite. Tu déposes sa paix dans son cœur. Dans son cœur, je sais sa paix. Dans le sang de Jésus, je le fais couvrir par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas fini. Maintenant, qu'est-ce que tu as encore volé? Rends-lui ses finances. Ouais. Pourquoi elle va être riche? Parce que c'est un enfant de Dieu. Voilà. Elle va être riche parce que c'est un enfant de Dieu. Je te jure au nom de Jésus. Allez, toi tu ne verras plus parmi les vivants. Je t'ai dit une épée. Et je perds tes yeux au nom de Jésus. Je perds tes yeux au nom de Jésus. Je perds tes yeux au nom de Jésus. Je baisse tes yeux au nom de Jésus. Je baisse tes yeux au nom de Jésus. J'arrache tes yeux. Je jette à les familles. Maintenant, elle va être riche, oui ou non? Est-ce qu'elle a le droit d'être riche? Réponds. Voilà, et rends-lui sa finance. Rends-lui sa richesse. Tu déposes maintenant sur son front. Cette finance. Je sais cette finance. Ta richesse. Ta bénédiction, ta fortune, je sais tout, dans le sang de Jésus, je peux couvrir tout, par le feu de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu as encore voulu? C'est pas fini, ça destiné, tu as mis ça où? Ça destiné à où? Et je t'ai dit, vous êtes compris. Et allez, vanité, je rends sa destinée. La femme de son papa. Vous voyez ça? C'est une contrerie, hein? Dans la même famille, la femme de son papa, sa tante, grand-mère, tout ça là, sont fait une alliance pour la détruire. Je vous dis, sans Jésus, vous n'êtes pas en sécurité. Je vous le dis. Vous qui parcourez les marabouts, vous qui parcourez les charlatans à la recherche de la paix, je vous dis, vous êtes bienvenus, ils vous escroquent parce qu'eux, ils travaillent avec les sorciers. Viens à Jésus, c'est le nom de Jésus-Christ qui les fait trembler, qui ébranle leurs forteresses, qui renverse leurs murailles. C'est le nom de Jésus. Le pauvre. Sa destinée, on ne fera pas le sang de Jésus. Je ne fais plus vite, pas le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que elle est aussi du milieu. Tu as mis ça droit. Tu
Tu as mis ça pour où? Tu as mis ça pour où? Et qui? C'est vous tous. Aïe, 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 je veux voir sa gloire. Aïe, 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 rendez-lui sa gloire. Rendez-lui sa gloire. Rendez-lui sa gloire. Aïe, aïe. Vous avez mis ça où? Vous avez mis ça où? Hein? Là où vous réunissez. Vous réunissez où? Au village. Aïe, 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 aïe. On cherchait sa gloire. Je vous dis, l'œuvre de la sorcellerie fait des ravages, surtout en Afrique ici. C'est pas seulement en Afrique, hein. Mais oh, les familles en Afrique souffrent, les vies souffrent. Et tu penses sa gloire sur ce fond. Je sers sa gloire dans le sang de Jésus. Je le fais couvrir par le feu de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez encore volé quoi? Vous avez encore volé quoi? C'est toi qui crée des problèmes entre lui et son mari, non? Et tu veux pousser son mari à aller chercher une autre femme. C'est ça, non? Hein? La colère que tu as mis dans ce cœur, enlève la colère. Enlève la colère. Et c'est qui? Qui a mis ça? Hein? Tu ne sais pas. Enlève ça. Enlève la colère. Jette dans les habits. Jette. Enlève la colère. Qu'est-ce que vous avez encore mis dans son cœur? Qu'est-ce que tu as mis dans son cœur? Hein? Hein? Tu dis quoi? Tout est transformé en serpent pour circuler dans ton cou. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour sortir? Hé, mets-moi un peu là. Vomis tes griffes. Vite, 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 vite. Jésus-Christ est Dieu. Oh là là. Il a dit là où il est. Vous devez être chaud là. Ok, du sable dedans, c'est pas bon. Et on vomit tout tes venin. Vomis tous tes vénins que tu as mis dans son corps. Vomis tous tes vénins. Vomis tout, 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 tout. Remonte-les. Pas pour son corps. Hein? Tu veux que je t'envoie où? Toi-même, tu veux aller où? Hein? Qu'est-ce que tu appelles pitié? Est-ce que vous avez pitié d'elle? Que vous avez pitié d'elle? Est-ce que tu as pitié d'elle? Quand elle souffre là, ça te fait comment? Quand elle souffre, ça te fait comment? Réponds vite. Quand elle souffre là, ça te fait comment? Tu es content. Aujourd'hui là, c'est moi qui vais être content. Tu comprends? Toi, tu vas bien souffrir. Hein? Je saisis le marteau du Saint-Esprit. Je casse ta tête au nom de Jésus. Je casse ta tête au nom de Jésus. Je casse ta tête au nom de Jésus. Je casse ta tête. Je prie ta mâchoire. Je prie ta mâchoire. Je prie ta mâchoire. Bon. Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Pourquoi? 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 Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? On t'a confié beaucoup de missions. Voilà. J'envoie du feu maintenant dans ton couvent. J'envoie du feu dans ton couvent. J'envoie du feu dans ton couvent. Je détruis tes agendas. Je détruis tes agendas. Je détruis tes agendas. Je la détruis. Je déchire ton registre. Je déchire tout. Je déchire tout. Je déchire tout. Je déchire tout. Combien de temps tu as mis? Combien de temps tu as mis en prison? Hein? À l'instant où je prie, les âmes que tu as mis en prison maintenant, j'envoie maintenant le feu pour détruire les chaînes. Les chaînes sont consumées. Toutes les âmes que tu as mis en chaîne, je prie maintenant. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Je détruis les chaînes maintenant. Maintenant, tu attends quoi pour sortir? Tu attends quoi pour sortir? Vous êtes combien? Vous êtes combien présents?
Vous êtes combien à présent? Vous êtes beaucoup. Regarde ce qui va se passer. Je saisis la chaîne de Jésus-Christ. Je vous enchaîne ensemble. Au nom de Jésus. Je vous enchaîne ensemble. Je vous enchaîne ensemble. Maintenant, quand toi tu vas sortir, tous les autres vont sortir. Tu comprends? Quand toi tu vas sortir, tous les autres vont sortir. Je vous envoie dans le feu. Je vous envoie dans le feu, Adam. Je vous envoie dans le feu, Adam. Maintenant, je te donne 3 secondes pour sortir. 1. Sors. Sors, 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 sors. Sors. 1. Tu ne veux pas sortir? Est-ce que tu ne veux pas sortir? Pousse ton cri et tu sors vite. Sors, 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 sors. Sors. Sortez. Sortez. Tu ne veux pas sortir. 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 Alors, tu veux que je t'envoie dans le feu éternel? Tu veux que je t'envoie dans le feu Adam? Dans le feu éternel? Viens maintenant, sors. Sors. Sortez, hein! Allez, vous sortez, vous sortez. Sortez. Allez, sortez. Jésus-Christ est Dieu. Le feu de Jésus te range. 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 Pas seulement pas. Je saisis l'épée à double tranchant. Je te fonde la peau. Au nom. J'arrache ta tête. Je sais. J'envoie le feu. Le feu te consume. 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 Au nom de Jésus. Fais des bras. Fais des bras. Fais des bras. Toi, est-ce que tu es présent dans ce corps? Toi, est-ce que tu es présent dans ce corps? Toi, est-ce que tu es présent dans ce corps? Toi, est-ce que tu es présent dans ce corps? J'envoie du feu sur toi. Toi, est-ce que tu es présent dans ce corps? Identifie-toi maintenant. Qui es-tu? Toi, est-ce que tu es présent dans ce corps? Toi, est-ce que tu es présent dans ce corps? Toi, est-ce que tu es présent dans ce corps? Qui es-tu? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Hein? Tu es qui? Toi, tu es qui? Qui? Esprit de mort. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans ton corps? Tu veux la tuer, tu dois la tuer. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi tu veux la tuer? Tu veux la tuer, pourquoi? Elle doit sauver sa famille. Toi, tu ne veux pas que quelqu'un sauve sa, sauve sa famille. Voilà. Ah. Voilà. Regarde. Toi, esprit de mort. Voilà. Regarde le décret de mort que tu as sauvé sur sa vie. Jésus a donné le décret de mort. Le nom de Jésus. Je déchire le décret de mort. Au nom de Jésus. Je déchire. Au nom de Jésus. Je déchire de mort. Je revoque maintenant. Au nom de Jésus. J'annule tout projet de mort. Au nom de Jésus. J'annule tout. Je jette dans le jardin. Et je prends un nouveau décret. Par le nom de Jésus. Je prends le décret de vie maintenant. Je proclame la vie sur sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-moi.
quelles sont les choses que tu as détruites dans sa vie? Sa santé. Et rends-lui sa santé, rends-lui sa paix, rends-lui sa joie. Béta! Tu déposes dans son corps. Dépose tout. Je sais sa santé, sa paix, sa bénédiction. Dans le sang de Jésus, je vous fais pour vous pas le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de la vie. Où tu as mis son âme? Où tu as mis son âme? Hein? Et elle va me chercher. Et aïe, 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 vite, vite. Qu'est-ce que tu as encore volé? Hey, tu as encore volé quoi? Ses enfants. Et rends-lui ses enfants. Rends-lui ses enfants. Qu'est-ce que tu as encore volé? Tu m'as mis la tête. Quoi? Eh, rends-lui, rends-lui cette main. Rends-lui cette main. Que tu as tout sorti. Et à sort. Sort. Allez, sort, 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 sort. Dégage, sort. Dégage. Allez, sort, sort, sort. Sort, sort, sort. Allez, sort, sort, sort. Allez, sort, sort. Allez, sort. Tu pars, 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 pars. Va. Sort, sort, sort. Allez, sort, 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 sort. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Que la puissance de
gloire de Dieu me visite en ce jour. Que la puissance et la gloire de Dieu me visite en ce jour. Et là, ça va mourir ici au milieu de nous. Que la gloire, la puissance de Dieu me visite en ce jour. Que la gloire, la puissance de Dieu me visite. La gloire 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 de Dieu. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus que nous avons prié. Bien aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire. Que le ciel mobilise ses armées autour de nous. Que le ciel mobilise ses armées autour de nous. Après ta péché, on représente Dieu comme le roi. Elle a ta partie ainsi qu'on est. Que tu as voulu. Sa paix. Et rends-lui sa paix. Rends-lui sa paix. Rends-lui sa paix. Quoi? Dépose aussi son frère. Je sais sa paix dans le sang de Jésus. Je ne fais plus vivre par le feu de toi. Au nom de Jésus. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et rends-lui sa santé. Rends vite sa santé. Tu as mis ça où? Et va me chercher. Vite. Chicote, Saint-Esprit. Chicote. 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 Et vite, 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 vite. Tu es fatigué. Quand je vais te chicoter là, tu vas retrouver la force. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ses enfants, rendu ses enfants. Vous voyez, chaque esprit vole tout ce que les autres volent. Vous comprenez? Voilà. Et là, rendu ses enfants. Vite. Et on n'a pas ton temps à perdre. Tu m'as bien compris. Et là, remets ses enfants dans ses entrailles. Je suis un de ses enfants. Dans le sang de Jésus, son enfantement. Dans le sang de Jésus. Son accouchement dans le sang de Jésus. Sa trompe dans le sang de Jésus. Son placenta dans le sang de Jésus. Sa concession dans le sang de Jésus. Et je le fais couvrir par le feu de bras au nom de Jésus. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Maintenant, tu attends quoi pour sortir? Hein? Vous êtes encore combien? Vous êtes encore combien dans son corps? Hein? Je te jure, parle-moi vite. Vous êtes encore combien dans son corps? Et sort. Pour son cri de toute ta force. Au nom de Jésus. Sors. Sors maintenant. Sors. Sors maintenant. Sors. 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 Ne pas le temps de quelqu'un.
Comment tu sors? Sors. Comment maintenant? Allez, sors. Allez, tu libères, Je l'ai prise. Tu es dans le feu. Je n'ai pas de temps avec toi. Tu
tu ne réponds pas, tu es dans le feu. Si tu ne réponds pas, tu es dans le feu. Si tu ne réponds pas, le feu te rend sur notre Jésus. 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 Toi, esprit de tes pas. Je saisis l'esprit de tes pas. Je te tends sur notre Jésus. Je te tends sur notre Jésus. Je te tends sur notre Jésus. J'arrache ta tête. Je jette dans les abîmes. Esprit de tes pas. Tu l'as donné. Où est son âme? Où est ton âme? Vous avez tout volé. Alors rends-lui ce que tu as volé. Rends-lui ton âme. Lève-toi et rends-lui son âme. Prends tes mains à son âme pour nous. Qu'est-ce qui est à la maison de son papa? Les sacs pleins. À l'instant même, je prie que le Seigneur voit des anges dans la maison de son père. Le sac plaqué dans la maison de son père. Les anges le mettent en feu. Le sac prend feu. Le sac prend feu. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il voit dans le sac, qui te maintient dans sa vie, ce pouvoir prend feu. L'Éternel envoie le feu dévorer ce pouvoir. Ce pouvoir est détruit. Ce pouvoir est consumé. J'appelle sur ce lieu. Les anges apportent ce sac dans ce lieu. Lorsque nous saisissons le feu du Seigneur, nous détruisons le sac. Nous détruisons le sac. Feu sur ce sac. Feu sur ce sac. Tout ce qu'il y a dans ce sac. Nous avons le feu. Nous avons le feu. Tout est dévoré au nom de Jésus. Maintenant, tu vas voler quoi? Tu parles au nom de Jésus. Tu vas voler quoi? Quoi? Là, rends-lui l'amour de son mari. Rends-lui l'amour de ton mari. Lève-toi maintenant. Tu es dans le feu. Là où tu es dans le feu. 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 L'amour que son mari lui doit maintenant, tu rends maintenant. Tu rends maintenant. Tu rends maintenant. Quel soit le point de contact par lequel tu remettes dans le cœur de son mari cet amour. Maintenant. Maintenant. Tu rends l'amour. Tu rends l'amour sous la puissance du Saint-Esprit. Dans le feu, maintenant, tu rends l'amour. Maintenant, dépose les enfants. Dépose maintenant. Je sers à son amour. Dans le sang de Jésus. Et par elle, son mari maintenant est impacté au nom de Jésus. Maintenant, tu as voulu quoi encore? Tu as voulu quoi dans sa vie? Sadia. Tu as voulu quoi? Tu as voulu quoi? Au-dessus de toi. La tête sur laquelle tu es assis devient feu. Je commande que la tête devienne feu. Je commande que la tête avale. Que la tête avale. 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 La tête ouvre ta bouche et t'avale au nom de Jésus. Toi, c'est toi. Qu'est-ce que tu as volé dans ta vie? Où est son amour? Tu as déposé son amour. Où est son âme? Je vais te chauffer. Je vais te chauffer. Je saisis le feu du Seigneur. Je le mets sur ta gorge. Je le mets sur ton cou. Maintenant, où est-ce que tu as mis ton âme? Qu'est-ce que tu as volé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as volé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as volé dans ta vie? Je vois dans tes mains. Je dans tes mains. Fais tes mains. Fais tes mains. Fais tes mains. Maintenant. Je te gorge au nom de Jésus. Je te gorge au nom de Jésus. Je te gorge au nom de Jésus. Je saisis le feu du Seigneur. Je coupe ta tête. 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 J'arrache ta tête au nom de Jésus. Je jette dans les abîmes. Maintenant, je mets le feu sur ton cœur. Maintenant, va chercher ton âme. Le feu est sur ton cœur. 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 Je vais te poignarder. Je vais te poignarder. Je vais te transpercer ton cœur. Par qui tu es entré dans son corps? Parle vite! C'est dans la maison de son papa. C'est un prince qui me l'a vendu, non? D'accord, voilà. Ok. Voilà, regarde le contrat qu'il y a entre toi et son père. Je déchire le contrat. Je déchire le contrat. Je déchire le contrat. Et j'annule maintenant. Maintenant, pour s'organiser. Maintenant, pour s'organiser. Tu sors. Tu sors. Mais pour s'organiser. Maintenant. Sors, 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 sors
Out. Dégage. Sors, ça te fait mal, ça ronge ton ventre, ça ronge ton ventre, ça remonte et ça sort, ça remonte et ça sort. Maintenant toi-même, sors maintenant, pose ton crétin. Et sors, 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 sors. Sors. Je ne vais pas beaucoup parler, je t'ai dit. Et sors, pose ton crétin, sors, 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 sors. Par le feu, tu sors. Par le feu, tu sors. Sors, 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 par le feu, tu sors. Par le feu, tu sors. Au nom de Jésus, sors vite, sors vite, sors vite. Pousse ton cri et tu sors. Pousse ton cri et tu sors. Pousse ton cri et tu sors au nom de Jésus. Dégage. Ils ont entendu parler. Sors maintenant. Sors maintenant. Maintenant, pousse ton cri et tu sors. Pousse ton cri et tu sors. Toi, esprit de serpent, par le nom de Jésus, je saisis ta queue. Je coupe ta queue au nom de Jésus. 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 Maintenant, tu sors par la tête. Ouvre ta bouche et tu sors. Sors. Sors par la tête. Sors, 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 sors. Sors. Dégage. Je te coupe la tête. Je te coupe la tête. Va à ta tête. Je chèque le papier. S'il y a encore un esprit dans ce corps, qu'il soit tourmenté. S'il y a encore un esprit dans ce corps, qu'il soit tourmenté. S'il y a encore un esprit dans ce corps, s'il y a encore un esprit de sorcellerie, s'il y a encore un esprit humain, s'il y a encore un démon dans ce corps, l'esprit des eaux, je prie qu'il soit tourmenté. Au nom de Jésus. Tout esprit encore présent dans ce corps, je vous commande maintenant. La terre, la terre devient du feu. Au nom de Jésus. La terre sur laquelle tu es touché devient du feu. Au nom de Jésus. La terre sur laquelle tu es couché devient du feu. Et ça te brûle. Ça te brûle. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Marie de nuit. Voilà. Marie de nuit, Marie de nuit, tu es étranger ici. Ici, c'est Jésus seul qui est l'époux. C'est Jésus seul qui est l'époux. Toi, qui fais quoi dans son corps? Tu fais quoi dans son corps? Tu es venu la détruire. Par quel moyen tu es entré dans son corps? Ici, on répond vite aux questions. Tu es couché dans le feu. Au nom de Jésus. Tu es passé par son frère. Vous voyez, l'inceste. Tu as bien compris. Voilà. Tu voyais ça? Une abomination. Tu es passé par son frère pour coucher avec elle, c'est ça? Physiquement ou bien spirituellement? Physiquement. Vous voyez ça? Ah, Seigneur Jésus. Passez par le cesse. Marie de nous. Passez par le cesse. Rentrez dans sa vie. D'accord. Tu as fait mariage avec elle, non? Il a eu combien d'enfants? Hey, réponds! Hey! Tu n'es pas au cimetière ici. On n'est pas à la morgue ici. Tu as bien compris. Voilà. Et là, enlève la bague de mariage. Lève-toi et enlève la bague de mariage. Oh. Ici là. Regarde-toi. Oh. Ici là, on n'est pas au cimetière. Et là, enlève la bague de mariage. Enlève tout.
Enlève, enlève. Enlève les bâtons de mariage. Notre Jésus, enlève les outre les un à un. Tu es dans le feu et tu fais tout avec rapidité. Sinon, le feu te brûle. Jette dans les amis. Ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. Tu fais vite. Tu es sous l'influence du feu dévorant. Tu es sous l'influence du feu dévorant. Maintenant, tu les enlèves. Et me prennent feu. Et me prennent feu. Retire-les bas. Retire-les. Allez, retire. Retire-les. Quoi? Retire. Dis-moi, le nom de premier enfant que tu as fait avec elle s'appelle comment? Le premier enfant s'appelle comment? Je te chiffre. Réponds vite aux questions. Le premier enfant s'appelle comment? Le premier enfant s'appelle comment? Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Tu veux mentir à qui? Tu veux mentir à qui ici? Le premier enfant que tu as fait, vous avez fait combien d'enfants? Vous avez fait combien d'enfants? Quatre. Le premier, c'est un garçon ou bien c'est une fille? C'est un garçon ou bien c'est une fille? Des jumeaux. Waouh! Vous voyez ça? Elle-même n'a pas d'enfant, mais elle a des jumeaux dans la mer. Vous voyez ça? Et là, le nom du premier enfant s'appelle comment? Le nom du premier enfant s'appelle comment? Des jumeaux? Pas le nom! Il s'appelle comment? Des jumeaux s'appellent comment? Pas le nom! Des jumeaux s'appellent comment? Regarde, l'acte de mariage qui te lie à elle. Jésus m'a donné l'acte de mariage. Et par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je révoque le mariage. Je prononce le divorce entre toi et au nom de Jésus. Je prononce le divorce. Et je révoque le mariage maintenant. J'annule le mariage. Je prononce le divorce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, l'acte de naissance de tes enfants. Par le nom de Jésus. Jésus m'a donné l'acte de naissance des enfants. Je déchire l'acte de naissance des enfants. Au nom de Jésus. Je le révoque. Je déchire. Et je consume pas le feu de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, tes enfants, nous allons les passer par le feu du sang. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Voilà. Nous saisissons ton premier enfant. Au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous égorgeons ton premier enfant. Nous l'égorgeons au nom de Jésus. Nous l'égorgeons au nom de Jésus. Nous l'égorgeons au nom puissant de Jésus. Nous le chutons dans le feu. Nous saisissons ton deuxième enfant. Par le nom puissant de Jésus. Nous l'égorgeons au nom puissant de Jésus. Nous l'égorgeons au nom de Jésus. Nous l'égorgeons au nom de Jésus. Nous le chutons dans les abîmes. Nous saisissons ton troisième enfant. Nous l'égorgeons maintenant. Nous l'égorgeons au nom de Jésus. Nous l'égorgeons au nom de Jésus. Nous le chutons dans les abîmes. Par le nom puissant de Jésus, je le gorge maintenant. Je le gorge maintenant au nom de Jésus. Je le jette dans le puits. Maintenant. Tu sors d'elle. Sors d'elle. Je commande que le feu. Le feu dévorant maintenant ta grâce. Et tu sors d'elle. À la puissance de Dieu. Sors d'elle. À l'instant même. Sors. Tu ne peux pas résister. Sors d'elle. Sors d'elle. Par le nom puissant de Jésus. Je saisis le pied à ton tranchant. Je t'en coupe la tête. J'arrache ta tête. Et je jette dans les abîmes. Je prie maintenant. Le feu devra te consumer. Le feu devra maintenant. Le feu te dévore. Tu n'es pas parti. Esprit méchant, est-ce que tu es parti? Tu parles au nom de Jésus. Est-ce que tu es parti? Réponds à la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus. S'il y a encore un esprit présent dans ce corps, que le feu dévorant le tourmente. S'il y a encore un esprit dans ce corps, je commande à la terre
de te brûler. Au nom de Jésus. La terre sur laquelle tu es couché te brûle. Au nom de Jésus. Te brûle. Tu es tourmenté. S'il y a encore un esprit dans ce corps, oui. La terre sur laquelle tu es couché devient du feu. Le feu du Saint-Esprit. Devient du feu. Au nom de Jésus. Et ça te brûle. Au nom de Jésus. Ça te brûle. Ça te brûle. Ça te brûle. Au nom de Jésus. S'il y a encore un esprit dans ce corps, la terre devient du feu. Et se consume. Au nom de Jésus. Tu es consumé. Seigneur Jésus, s'il n'y a plus aucun vivant dans ce corps, Seigneur, que son âme reçoit la paix. Que son âme reçoit maintenant le souffle de vie. Que son âme reçoit le souffle de vie. Au nom de Jésus. Que son âme reçoit le souffle de vie. Au nom de Jésus. Et se lève maintenant. À l'instant même. Avec cri de joie. Son âme reçoit maintenant. À l'instant. Reçoit le souffle de vie. Au nom de Jésus. Le souffle de vie te pénètre. Au nom de Jésus. Le souffle de vie te pénètre. Par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur Jésus. Et te redresse maintenant. Au nom de Jésus. Te redresse maintenant. Sous la puissance du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu te relève. Alléluia. La puissance de Dieu te relève à l'instant même. Tu te relèves sous la puissance du Saint-Esprit. Ton âme sort de la mort. Au nom puissant de Jésus. Tu reçois la puissance de la délivrance. Au nom puissant de la délivrance. Tu reçois la puissance de la délivrance. Jésus-Christ. Alléluia. Parmi les cas, il y a des cas spéciaux. Alléluia. Elle est venue vraiment tout tremblant. L'esprit. Vous voyez, on a chassé une dizaine de démons. Vous voyez, il y a au moins sept esprits de famille. Il y a l'esprit de serpent. Il y a l'esprit de mari de Dieu. Voilà. Qui est passé par l'inceste pour rentrer dans sa vie. Vous qui faites petit frère, petite soeur à la maison, qui fait papa et maman, suivez vos enfants. Je vous dis la vérité. Les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, passent par les jeux d'enfants pour pénétrer, pour posséder vos enfants. Voyez, voilà. Donc, il faut vraiment veiller sur vos vies et veiller sur tout ce qui se passe dans vos maisons. Vous qui allumez les feuilletons devant les enfants, c'est des grands portails de possession des esprits de mari de nuit. Et tant que les esprits de mari de nuit sont dans votre vie, votre conception serait difficile. Vous voyez, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle ne fait que des fausses couches. Mais elle a quatre enfants dans la mer par le biais de mari de nuit. Elle a même de jumeaux dans la mer. Vous voyez, donc, venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus et fuyez les connexions des ténèbres. Alléluia. Ouvre tes lèvres. Ça va? Comment tu te sens? À Dieu qui opère instantanément. Tu opères instantanément. Tu m'as dit que laisse les chaînes qui l'ont amené ici, qu'elle ne va pas retourner dans ses chaînes. Et aujourd'hui, tu l'as libéré. Seigneur Jésus, je déclare dans sa vie tous les problèmes de sa vie qui rongeaient sa vie à partir de maintenant. Je ramasse tous ces problèmes et je les jette dans la mer. Je ramasse tous ces problèmes de maladie, ces problèmes de finances, de blocage, de chômage, tout ça. Je ramasse tout et je jette tout dans la mer. Et je prie maintenant que le ciel s'ouvre dans ta vie. 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 Et les portes de grâce et de bénédiction descendent dans sa vie. L'eau de grâce coule dans ton âme, dans ton esprit, dans ton être tout entier. La puissance de Jésus-Christ te remplit. Te restaure, te remplis, te restaure, te remplis, te restaure, te remplis, te restaure, te remplis, te restaure. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu es guéri de toute maladie. Toute maladie dans ton corps est guérie. Guéri, guéri complètement, guéri complètement, guéri complètement. À partir de maintenant, je déclare, ce mois ne finira pas. Tu viendras témoigner. Cette année ne va pas finir. Et tu viendras témoigner avec des enfants dans tes mains, avec des jumeaux dans tes bras. Tu viendras témoigner de la grâce de Jésus, de la puissance de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.